أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable pour les mécréants que nul ne pourrait repousser et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Supporte donc d'une belle patience. Il voit le châtiment bien loin, alors que nous le voyons bien proche. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion, et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquerra d'un ami, bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Mais rien ne le sauvera, l'enfer est un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait, amassait et thésaurisait. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la salate, qui sont assidus à leur salate, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, la zakat, pour le mendiant et le déshérité, et qui déclarent véridique le jour de la rétribution, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur, et qui se maintiennent dans la chasteté, et n'ont de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas ils ne sont pas blâmables, mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs, qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leurs engagements scrupuleusement, qui témoignent de la stricte vérité, et qui sont réguliers dans leur salate. Ceux-là seront honorés dans des jardins. Qu'ont donc ceux qui ont mécru à courir vers toi le cou tendu, de droite et de gauche venant par bandes? Chacun d'eux convoite-t-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices? Mais non, nous les avons créés de ce qu'ils savent. Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables de les remplacer par de meilleurs qu'eux, et nul ne peut nous en empêcher. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur mécréance et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont on les menaçait, le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira. C'est cela le jour dont on les menaçait.